Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire de la phonologie avec les alphas et nous allons commencer à lire des petits mots. Cette vidéo est facile. Il y aura une autre vidéo pour commencer à lire des mots, mais en version plus difficile. Je vais dire une formule magique. Ensuite, je vais afficher trois mots qui ont des lettres, mais la première lettre, c'est un alpha. Tu dois retrouver le bon mot qui commence avec l'alpha que j'ai appelé avec ma formule magique. Écoute ma formule magique. Fusée, fée, fourmi. Maintenant, j'affiche les trois mots. Quel est le bon mot qui commence avec un alpha que j'ai appelé avec ma formule magique? Je te redis la formule. Fusée, fée, fourmi. J'ai appelé la fusée. Bravo. Donc, je garde ce mot et j'enlève les autres mots. Je te rappelle que la lettre E est grise parce qu'on ne l'entend pas, elle est muette. Pour lire ce mot, là c'est trop difficile. Alors, nous allons remplacer les lettres par des alphas. On remplace la lettre I par Madame I. On remplace la lettre C et H par le chat. Et on remplace la lettre E par Madame E, toute grise, qu'on n'entend pas parce qu'elle est muette. Nous allons lire ce mot. D'abord, on fait chanter chaque alpha. Fiche. Fiche. C'est une fiche. Voilà à quoi ressemble une fiche. Bravo, tu as lu ton premier mot. On continue. Écoute ma formule magique. Chat, cheval, chaise. J'affiche trois mots. Quel est le mot que je dois garder car il commence par l'alpha que j'ai appelé? J'ai appelé le chat. Bravo. Donc je garde ce mot et j'enlève les autres. Nous allons remplacer les lettres par les alphas. Je remplace la lettre A par Monsieur A. Je remplace la lettre R par le robinet. Nous allons lire ce mot. Tu es prêt? Char. Char. Bravo, voici à quoi ressemble un char. C'est ça, un char. Quelqu'un est dedans et le char est tiré par un cheval. On continue. Écoute ma formule magique. Route, requin, robe. J'affiche les trois mots. Quel est le mot que je dois garder avec l'alpha que j'ai appelé? J'ai appelé le robinet. Bravo, donc j'enlève les autres mots. Je n'ai pas besoin d'eux. La lettre E est grise, on ne l'entend pas, elle est muette. On remplace les lettres? C'est parti. Je remplace la lettre A par Monsieur A. Je remplace la lettre M par le monstre. Et je remplace la lettre E par Madame E que l'on n'entend pas. Tu es prêt? Nous allons lire le mot. Re-âme. Rame. Bravo, c'est une rame. Voilà à quoi ressemble une rame. C'est ça, on l'utilise sur un bateau, sur un kayak ou sur un canoë pour faire avancer le bateau sur l'eau. On continue. Écoute ma formule magique. Lion, lapin, langue. Quel est le bon mot qu'il faut garder avec l'alpha que j'ai appelé? J'ai appelé la limace. Bravo, donc j'enlève les autres mots. La lettre T est grise parce qu'on ne l'entend pas. Dans la langue française, il y a plein de lettres qu'on n'entend pas alors qu'on les a écrites. C'est comme ça, ce sont des lettres muettes. Nous allons remplacer les lettres. Je remplace la lettre I par Madame I et je remplace la lettre T par la toupie qu'on n'entend pas. Nous allons lire le mot en faisant chanter les alphas. Le I. Li. Bravo, un lit. Voilà, nous avons lu le mot lit. On continue. Écoute ma formule magique. Manteau, moustache, mouton. Quel est le mot que je vais garder? J'ai appelé le monstre. Bravo, donc j'enlève les autres mots. Nous allons remplacer la lettre U par Mademoiselle U. Nous allons remplacer la lettre R par le robinet.
Tu es prêt pour la lecture? Mur. Mur. Bravo, un mur. Voilà, un mur. Encore une formule magique. Écoute. Vague, valise, vélo. Quel est le mot que je vais garder? Je vais garder ce mot parce que j'ai appelé le vent. Donc j'enlève les autres. Nous allons remplacer les lettres. N'oublie pas, la lettre E est grise, on ne l'entend pas. Je remplace la lettre A par Monsieur A. Je remplace la lettre C et la lettre H par le chat. Je remplace la lettre E par Madame E, qu'on n'entend pas, elle est toute grise. Tu es prêt pour la lecture? Vache. Vache. Une vache. Voilà, nous avons lu le mot vache. Et je crois que nous avons terminé cette vidéo. Effectivement, j'espère que ce n'était pas trop difficile pour toi. C'est normal, on commence à peine la lecture. Et tu t'entraîneras beaucoup au CP pour lire des mots. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.